Bonjour la VOD. Je l'ai pas dit trop tôt, je pense, pour une fois, parce que je me suis rendu compte que je disais vraiment bonjour la VOD giga trop tôt. J'ai appuyé feu rouge, mais c'est bon, vous avez remarqué quand même, ça fait depuis 2 mois. Non, ils sont un peu rosis, mais ils le seront de nouveau rouges bientôt. Voilà. À part cette information VOD, nous allons battre un boss, mais je sais pas trop ce que ça va être. Voilà. Une rencontre d'Amonet, ça se fait sur un tatami de judo. J'aurais préféré sur un terrain d'aquaponais. Bon. On prend un petit goût là. Ne pas partir sur du violet bien flashy des familles. Bah en fait non. Le violet, il n'allait pas être flashy, mais... Déjà, violet, c'est souvent un peu... Une couleur un peu bordeaux souvent, donc pas vraiment comme on imagine. Sinon c'est un violet bleu machin. Et en fait, elle m'en avait fait, la coiffeuse, elle m'avait fait une teinture assez foncée violet. Et elle m'a dit, en éclaircissant, on verra la différence de couleur à force des shampoings. Et c'est vrai, mais elle m'a jamais dit que ça allait être très flashy. Elle m'a dit que ça s'éclaircirait. Et bah voilà, j'ai dit, allez, pour changer, je vais essayer. Mais effectivement, c'est trop basique comme couleur. Pizza et voilà, j'ai faim. Ah, j'imagine, ouais. Thou who approaches destined death. Ah, j'ai vraiment... Oh, putain. Wouah. Attends, eh, franchement, en vrai, en vrai, 2 minutes, quoi. Tu fais un peu mal, mais je pense qu'il y aura 2 phases de toute façon. Ah. J'ai plus d'enduit là. Si, ça va. Une fois qu'on fait le boss, hein, on voit un peu. Mais c'est pas beaucoup le temps. C'est un peu pas facile, j'avoue. Un truc. Mince, je me suis trompée. Oh zut. J'ai burst pour rien, quoi. J'aurais pas dû, ça me saoule. C'est dit qu'elle me burst de ouf. Elle est très belle, ouais. Lox rose. Ah, j'ai mal lu. J'ai dit rose. Mais j'ai jamais dit rose, moi, alors. Pardon, pardon. Malu. Become my blade once more. Ah non, j'ai rien dit. J'avais bien lu. Bon, du coup, il se sacrifie un bout de main. J'aime bien faire ça. Il sacrifie des trucs et puis hop, je coupe des membres et ça fait de la magie. Faudra tester. Je sais pas si ça passe dans la vraie vie. Elle est bloody sur la best rage game. C'est vrai, franchement, c'est une très bonne définition. Un très bon jeu, mais c'est un jeu de rage, voilà. Ne teste pas, non. Moi, j'avais pas dit rouge, je me suis trompée. Moi, je croyais avoir mal lu un truc. Oh,
T'es une star sur Twitch. Grave. Salut Lulune. Alors, je suis pas du tout full. La vache. Ok. Oh, il va être dur lui. La seconde phase, elle va envoyer du pâté. Hein. C'est quoi le fait d'être une star sur Twitch? Je sais pas. J'aurais demandé ça à Anton Daniel ou quelqu'un d'autre, quoi. Ou plein d'autres gens. Ou même à Dilo, elle est vachement plus une star que moi. Mais je dirais que ça doit être sympa. Mais j'ai pas d'avis, je peux pas comparer. Bon, ok. Ah, j'ai pas le temps. Il y avait un creux. Il y avait un putain de creux, je l'ai jamais vu ce creux. Voilà, j'ai encore perdu mes gemmes, j'en peux plus. Il y était pas tout à l'heure, je suis sûre. J'ai plus de 1000 followers, t'es une star, mais sur Twitch, t'inquiète, c'est pas beaucoup. Hein. C'est juste que je stream depuis longtemps. Merci Cromlech, merci beaucoup. Merci de me supporter depuis aussi longtemps. Je mériterais une médaille. Écoute, tu es très facilement supportable, si ça peut te rassurer. Tu es très supportable. Merci, c'est adorable. Allez, le burst. Trop tard. J'ai encore failli mourir comme ça. Un peu deck, c'est pas grave. Oh non, ça fait mal là. Voilà, au moins il passe à la seconde phase et puis on verra la suite. Je vais re-regarder parce que j'ai pas bien compris ce qu'il a fait. Il m'a pas la pression, après elle tombe dans le vide qu'elle avait pas vu. Become my blade once more. Il fait du karaoké. Non mais j'aimerais trop faire une soirée karaoké avec des potes là, mais à chaque fois il y en a une qui peut pas à chaque fois qu'on organise un truc. D'ailleurs je vais les relancer pour voir si on peut faire ça en mode décembre. Mais une soirée karaoké, vous savez, dans les... Bah, c'est une société carafun, enfin un local carafun, quoi, un truc de karaoké où t'as des salles et tout. Allouées par groupe. J'ai trop envie. J'ai jamais fait tour à karaoké en vrai. Si. Allez, une fois ou deux, mais c'était... C'était les karaokés en mode à l'ancienne, quoi, dans un resto et t'as une scène et y a plein de chansons bien trop vieilles qui passent. Merci Aurel. Merci beaucoup. Vous arrivez. Non mais vous allez me voir tous mourir, ça va être pire, ça va me foutre la pression. Merci Aurel. C'est trop sympa. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. J'avais pas de vie, bah oui bien sûr, j'ai entamé la suite du truc alors que j'avais pas de vie, j'aurais dû me heal avant. J'espère que ça s'est bien passé. Qu'est-ce que... Vous avez vu la bande-annonce de Mario? J'ai vu que tu allais... T'allais la regarder avec tes viewers. Je l'ai pas encore vu moi. Bonsoir à tous et toutes, désolé. En fait, il est lent dans cette phase. Et ça, je savais pas. Par contre, ça... T'as anticipé mes mouvements, cette merde. Pardon. C'est la Nive aujourd'hui. Oh, mais ça se fait, attendez. Alors je peux pas crier parce que mon copain il dormait.
Joyeux anniversaire. Je voulais pas le mettre dans les aigus, ça a un peu bugué, je crois. Du coup, j'ai essayé de réduire un petit peu. Merci beaucoup, c'est toi, merci. Oh, je savais même pas. Oh, je savais même pas. J'aurais dû... Oh, je serais passée sur le live avant mon... d'avoir lancé. J'avais pas vu que t'étais en live. Oh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, comme dit Didi Dinosaure. Salut Didi. Merci beaucoup. Ça fait quoi d'être enfin majeur? Incroyable. Salut Lox, c'est Didi. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour le raid. N'hésitez pas à suivre s'il vous plaît en masse. Oh, elle Porto. Aurélien Porto. Et ses portopotes. Streamer de qualité, très chill, avec des émissions très sympas. Je regarde plutôt les rodifs en général, mais en tout cas, n'hésitez pas, s'il vous plaît, cliquez sur son pseudo et allez voir. Et lâchez un petit follow. Et tous derrière toi, ou calmons-nous. Merci Fofo pour le fofollo. J'espère que tu vas bien. C'est cool d'être majeur. Ça y est, t'es un gros garçon maintenant. Attention hein. Attention à la bière. Tu fatigues. C'est Elden Ring, ça fait un peu. Comète Azur, oui, c'est le nom de mon sort. Ou d'un autre truc. Voilà, c'est le nom de mon sort. Je suis vraiment désolée, je dois me coucher. Vraiment désolée de me déconnecter de la télépathie. Tu vas manquer ta communauté aussi. Bah pas de soucis, reviens. Je suis là souvent, ça va. Repose-toi bien aussi. Les bisous Cortane. Je m'y connais. Oh, en fait, Aurel, tu finis le Plactel. J'ai hâte de savoir ce que tu penses de la fin. Je sais pas si tu as déjà fini. Je crois pas. J'aurais pas raté ça. Putain, je tente. Vas-y, je meurs. J'ai tombé dans le trou et j'ai dit mais pas de trou avant en fait un trou non. J'ai commencé le combat et je fais la même erreur. Non mais c'est parce que je discutais un petit peu. Je me biturais à la tronche pour la première fois de ma vie dès maintenant. Ah, première biture là, au Passoa, Montana, Malibu. Alcool un peu foufou quoi. La despé. Ah ça c'est quand on est fou. Bon, 50 années, ça devient redondant. Mais non, il y a moins de renouveler ça. Je peux pas rester. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Je suis au chapitre 13. Ah. Ah, mais... Tu en vois, t'es pas si en la fin, je crois. Hein. Je sais plus combien de chapitres, mais t'avances. Hein. Bon, ça marche. J'arrête de voir ça. DSP. Ah, c'est bien viril. Des bisous. Merci beaucoup. Et comme je vous ai dit, allez lâcher un petit follow. Vous ne le regretterez pas, vraiment. Vraiment, vous ne regretterez pas. Des bisous à tous ceux qui vont se coucher. Merci beaucoup pour le raid encore. C'est... Jet 27. Jet 27 après, c'est le seul alcool qui donne bonne haleine. Aurel Porto, dans le chat. Je vais encore esquiver dans le vide. Mais en fait là, je suis dans son corps. Non mais c'est... Hey, oh, ça va. C'est quoi ce début de fou? Ça va, hein. Et littéralement soulevé, c'est trop nul.
Non mais... D'accord. Alors, attendez. Non mais c'était pas... Je lisais le chat. Hein? Vous avez vu, je lisais... Je regardais... Je crois que j'ai même pas regardé l'écran une seule fois pour tout le combat. Donc ça excuse. J'ai perdu toutes mes runes tellement de fois. Des bisous. À très vite, ça marche, oui. Ne tombe pas dans le vide. Oui. Ne tombe pas dans le vide, tu. Tomber sur une épée qui m'a empalé. Pas très efficace. Alors si, en vrai... Bon là j'avoue non. C'est pas efficace là dans le contexte. Découverte de ta chaîne. Bah merci beaucoup Fofo. Fofao. Merci. Bah bonne nuit à toi, des bisous. La faute... Voilà. Bah, arrêtez de me déconcentrer s'il vous plaît. Non mais c'est pas possible. Regardez comment il me fonce vite dessus et après... Et après moi... Après je fais des roulades plein de fois. Et il va m'envoyer un truc. J'ai fait un mouvement que j'ai pas du tout... Arrête. Pourquoi elle accroupit? Arrête de s'accroupir. Arrête. Arrête. Elle accroupit. Je sais pas pourquoi... Faut pas que je crie trop fort, mon copain il dort. Non, j'ai pris la mauvaise popo. Une catastrophe. C'est une catastrophe cette game. Non. Je sais. J'ai dit non, mais c'est trop tard. C'est fatiguant. Il est pas si dur en plus, je vois bien, mais c'est moi qui m'y prends mal. C'est affreux. C'est incommensurablement chiant. Il est trop méchant. Je vais mourir. La musique par contre elle est très forte. Voilà. Donc là je suis juste à côté de lui, c'est parfait. Dès qu'il va se réveiller, il va me soulever. Je réfléchis. C'est marrant, je m'en doutais qu'il y aurait une blague comme ça. Mais après il est minuit passé, c'est normal. Du coup il prend le truc de sa main. Il appelle la mort en fait. Littéralement il appelle la mort pour me tuer. C'est pas un petit peu, franchement, est-ce que c'est pas un peu abusé d'aller directement appeler la mort pour me tuer moi? Car tu sais pas faire, tu sais pas faire. Je fais autre chose. Je fais du patchwork. Et du et de l'acrobranche. J'aime bien moi l'acrobranche. J'aime bien. Il est stylé. Même s'il est mort, je l'imaginais un petit peu moins en mode labrador. Bon labrador un peu hyène quoi. J'ai pas essayé. Non, ça va. Ça va. J'ai un bien mail. Voilà. Ouais, je m'en doutais. Il va toujours esquiver. Ça va être chiant. Oh non, non, il m'éclate. J'ai plus de vie. J'avais pas vu. Merde, j'avais pas du tout vu comment j'avais plus de vie. En fait, faut que j'arrête de tout gaspiller. Je gaspille trop de trucs en première round. Il faut que je me trouve un sort plus rapide. Je pense que je vais pas pouvoir faire mon Kamehameha, donc je vais le changer. On va changer. Ça, c'est bien. Mais je peux pas le faire. C'est trop long. Ça vaut pas le coup, je dois l'avouer. Je vais tenter ça à la place. Et je vais mettre que ça pour le moment. Un petit piou-piou.
tes poteaux. Je veux bien appeler mes amis, mais ils ne peuvent pas m'aider. Ah oui, non, mais les poteaux, oui, oui, oui. Mais je fais, hein, mais le problème, c'est que il faut aussi que moi, je les ai en vue pour leur faire des dégâts. Du coup, j'utilise les poteaux. Mais bon. En fait, tu dis ça, mais tu connais pas le jeu. Non, mais je peux me mettre derrière pour me heal éventuellement. Mais déjà, faut que je les atteigne. C'est pas facile parce qu'ils poursuivent très vite. Et ensuite, c'est pas facile, hein. Alors. Des bisous, grisous. J'aurais dû changer aussi ma popo. Je viens de me rendre compte. C'est pas grave, on va refaire un essai comme ça. Je vais mettre un petit buff. Alors, c'est pas ça un buff. C'est une grosse vache, mais pas que. Bisous, grisous, très bonne nuit. Excuse-moi, j'ai un peu balayé ça, mais. Et à demain. J'étais là demain. Bon, bah, ça va être ça. Hein. Ou alors je tente ça, mais je crois que ça c'est pas fou. On va retenter, on va tenter. J'aurais peut-être le temps de le charger. Non, c'est pas fou. Un minute de préparation pour ça. Mais c'est horrible. Ils ne pouvaient pas mettre des petites barrières là. Ou en trampoline. Non, mais ça c'est pas cool. Je te mets vraiment un piège, hein. Un piège à lose. Un piège à perdre ses runes à jamais. À cet endroit-là. Ça masse, Gizou. Je sais pas ce qu'on fait demain. Pour le moment, je mets un petit peu en pause les aventures de Denis. Ça me permet de faire d'autres trucs. Il est gentil par la bite, celui-là. Salut Pieli TV, merci pour le follow, c'est gentil. Bienvenue à toi. Vous êtes très doux et douce. Et oui, il fallait que je change ma fiole, j'ai pas changé. Bon, on remet un petit buff. Je vais pas... Bon, je prends mes runes juste parce qu'il y a un truc qui brille. Mais il y en a pas. Je vais pas faire mon... Je vais pas faire mon arc. Ça sert à rien. Là, je vais avancer en faisant ça. Il est trop loin. Gaspiller full mana. Je fais n'importe quoi. Attendez, je vais mettre. On va se mettre là. Deux secondes. Hop. Hop. Voilà. Oh, je suis prête. Ah, oh, je le vois plus, je le vois plus, je peux pas le viser. Vise-le, je t'en prie. Tant que je suis pas retournée vers lui, je peux pas. Mais je meurs trop facilement, c'est juste qu'il faut que j'arrive à être à distance de sécurité et après j'irai m'en sortir. Mais le problème c'est que je suis pas douée. J'ai main froide aussi, ça fait... on a moins d'habilité. Je réchauffe un peu. Flemme. Ah là, ça me tend. Je retrouve mes douleurs à la nuque quand je joue à Elden Ring. Talisman qui augmente la portée. J'ai jamais eu de talisman qui augmentait la portée. Pourtant. Bon, c'est pas mal. Bon, je vais faire son buff de début, on s'en fout. Hein. On y va en mode YOLO, on est des foufous. Ça l'a touché là-haut. Mais j'étais entre. Eh, hey, ça rend dingue, hein. Ça le touche pas. Pourquoi ça pas. Pourquoi mes sorts pas... mes sorts passent à travers là. Ils sont. On est d'accord, ils sont passés à travers. Pas cool, c'est pas cool, dude, c'est pas cool. Merde, c'est pas le moment du tout de reprendre la popo.
Trop proche. J'étais derrière là, sérieux. Je lui ai triché. Grave. 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 Je suspecte. Triche à fond. Bon. Mélange de salut miraculeux. On va changer. Là, on a un truc qui permet d'améliorer nos attaques magiques, un truc qui permet d'ignorer notre consommation de PC, ça c'est pas mal. De points de combat, donc de mana. Je vais enlever ça pour le moment et je vais mettre un truc genre... je sais plus comment ça s'appelle, mais ça me permet... Je vais en mettre quoi déjà ? Ça me permet d'ignorer une grande partie des dégâts que je prends. Je crois que c'est ça ou ça ou ça ou pas du tout. Apparemment, utiliser le code bonsoir, ça donne un god mode. Bonsoir. Ça y est, je sens. Je me sens revigoré. Salut à toi, Sekturg. Sekturg. Je pense que je l'ai massacré. Ton pseudo, je suis navré. Comment ça... Putain, meurtre apparemment la résistance aux dégâts. Mais c'est pas ça, c'est... Il permet d'ignorer une grosse partie des dégâts. Ah, voilà. On reçoit dans combien de temps le god? Non mais please. Tu l'as massacré. Désolé. Secteur G peut-être? Et pas secteur G. Peut-être. Ouais mais bon. Ouais bon, je me rends compte que c'est logique. Mais il est pas en majuscule, alors moi je lis ça comme un seul mot. C'est plus logique. Non, non, j'ai esquivé, je te promets. Je te promets le jeu. Il est... J'ai plus de mana, chier. Mais je n'ai pas le temps du tout, je cours, pourtant j'esquive, je m'éloigne, mais je n'arrive pas à avoir le temps de me heal ou de prendre de la mana. Oui, je passe. Je suis tombée. J'ai pas la bonne épée. Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ça fait pas du tout ce que je voulais que ça fasse. Je suis dégoûtée. J'avais pas vu que j'avais pas la bonne épée. Ça a tout niqué. Secteur ex... Non, non, c'était secteur G dans ma tête. Non, me porg, secteur G. Tu
Est-ce qu'on peut... Ah, ça me tend là. Tends-lui. Non, mince. Ma jambe... Ah voilà, elle appuie sur le fil. Et alors j'en ai ASMR. Oui, j'ai pas le choix, mon copain il dort. C'est trop loin. Oh merde, c'est plus mal à afficher. Oh merde, j'ai esquivé trop tôt, ça je m'en veux. J'ai toujours pas la bonne lame. Pourquoi putain? Elle est où mon autre épée? Ça m'énerve. J'ai pas compris là. Tu pouvais rien faire. Tu es morte de... Je sais pas, j'ai dû me coincer à un ongle quelque part. Les larmes de sang, le retour aussi. Non, 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 ça va le faire, ça va le faire. Ouais, ça va le faire quand même. C'est pas Malenia, Milenia, Malenia, Milenia. C'est pas Melania. Non, Malenia. C'est pas Malenia, ça va le faire. J'ai pas la technique. Quand je l'aurai, ça y va. Mais j'avoue que cette phase 2 me saoule de fou. Et puis en plus, là, il m'a mis un dot, j'ai l'impression, et je vois pas du tout ce que c'est. Mettre un petit buff. Super, bravo Lox. Tout à l'heure j'ai réussi à bien enchaîner au début, là j'ai rien fait du tout. Je tente un peu au cac parce que j'en ai marre. Ah merde, j'ai pas esquivé. C'est pas Mélanie? Malenia? Ah oh, c'est Malenia, ouais. Je crois que c'est ça. Regarde Malenia. Mélenia, Mélania. Non, Malenia. Regarde Malenia. Blade of Megala. Bon là c'était à chier, mais j'ai peut-être le tenter un peu plus au cac. Ne pas. Ça pique les yeux. Quoi? Comment ça pique les yeux? Ça critique? Entends-je une critique? Ça s'appelle l'audace, mais aussi le swag, mais aussi une nouvelle mode. Je ne veux pas entendre que ça pourrait offenser votre rétine. Je ne veux pas le croire. Ça, c'est juste... En fait, c'est juste les items les plus bangers du jeu, quoi. Réunion songe et heureusement, ça va super bien ensemble. C'est ça qui est ouf. Et bien fait, ce jeu. J'étais au bord. J'avais bien commencé, mais j'étais au bord. Bon, alors le problème,
Qu'après avoir m'avoir déconcentré avec avec la mode, là, avec votre sens de la mode, moi j'ai plus de. Hein. J'ai plus de focus. Vous avez compris. Le style et les stats à leur sommet, contrairement au personnage. Toi, tu saches pas. Que les joueurs d'Elden Ring qui sachent. Que mon skin est sûrement le meilleur, quoi. Vous sachez pas? C'est la bonne. Des fois, il arrive bien plus vite. Je sais pas pourquoi. J'ai plus de mana, faut que je me cache. Oh, j'ai failli faire sans faute au niveau de la vie. Ça dégoûte. Attends, je peux... Il t'enchaîne tout de suite, pourquoi le jeu il te donne pas une seconde de répit dès que ça pop quoi. Dès qu'il pop il me saute tout de suite dessus, j'ai même pas encore le contrôle du perso qu'il a commencé à sauter presque. Là qu'il invoque ce serait bien hein, mais bon je veux plus, je n'invoque plus. Vous avez vu là, elle a commencé à marcher direct mais hey. Oh, j'ai tout mis dans le vent, c'était super, j'ai plus de mana. J'ai pas le choix de faire ça, au moins ça va me protéger pour la suite. J'ai un dot en fait, je sais pas ce que c'est mais j'ai un dot. D'accord. Ma vie, elle descendait toute seule, mais comment je fais? Je suis un Pokémon. Ouais. Comment il s'appelle déjà mon Pokémon qui a évolué aujourd'hui? Il est passé de Canarbello à Palmaval. Je sais pas, c'est très judicieux de mettre le suffixe aval dans... Dans un nom de Pokémon. Moi, pas saché, sérieusement. On n'avait jamais sorti celle-là. Je demande à mes potes s'ils ne sachaient pas. Allez, cours tout de suite, t'as vu? Quand il court tout de suite, moi, je galère, hein. J'arrive même pas à sortir du pont. Il m'a jeté. Ça dégoûte. C'est un Pokémon Peggy 18. Ça correspond à quoi Peggy? Comme à part à un cochon féminin. Ça correspond à quoi comme acronyme?
La griffe blasphématoire, c'est quoi la griffe blasphématoire? Ouais, une fois sur deux, on dirait qu'il court direct toi, t'as vu? Mais c'est chiant, quoi. Là, il court tout de suite. Je peux... Mais ouais, c'est quoi la griffe blasphématoire? Pan-European Game Information, d'accord. Oui, parce que Peggy, ça concerne pas que l'âge, c'est vrai. Ça concerne aussi, si ça contient la violence, du sexe, la religion, tout comme ça. Pas HD pour les moins de 18 ans. Oui, non, mais t'as PE, mais pas t'as pas GI. Pas HD avec un E. Guerre imminente. Genre d'entrave. Oh, il y a encore des entraves. J'avoue qu'il me saoule tellement, mais j'utilise jamais les entraves et tout, mais je crois que je les ai peut-être pas, ou peut-être, ou je sais pas. Ça apparaît où ? Ça ressemble à un silex. Du savon, ça. Rien à voir, mec. C'est moi qui me trompe, je sais pas. En fait, je suis en fabrication. C'est pour ça que je trouvais pas. C'est où les objets clés? Je trouve jamais, ça me... Objets clés. Waouh. Est-ce que j'y ai pas un... Oh, le boucan qui est à côté. Ah, je suis passé dessus. Oh, vraiment. Bon, dis-moi, ça s'appelle comment les gens... non, pas les entraves. Griffe blasphématoire. Une grille avec un bout rouge. Ah mince, peut-être là. Une grille avec un bout rouge, c'est peut-être pas là alors. Genre ce sera ailleurs. Peut-être dans un autre onglet, c'est ça? Ah, peut-être. On va aller dans tout. On va voir. Attendez, s'il vous plaît. Oh, j'en ai marre d'être à côté de la tempête. Oh, on va chercher au calme. Ça me saoule de fou. Voilà. C'est ça. Dévie le pouvoir de la lame d'ébène, d'accord. Donc ça c'est dans la seconde phase. Ok. Comment je fais déjà? Ah oui, il faut que je fasse ça. Genre ça.
multiverser sa triple attaque juste avant. Ok, on va voir ça alors. Effectivement, je pense que là, pour une fois, je le fais jamais avec ces aides-là en général, les boss. Mais pour une fois, j'ai l'impression que j'y arriverai pas avec mon stuff, en tout cas, comme ça, sans faire ça. Donc on va voir, on va faire ça. Merci pour l'info, du coup j'ai mis quoi? J'ai mis O, ok. Y-O. Et il court pas. Oh là, j'ai largement le temps de sortir. Vous avez vu la différence quand même quand il court pas? Non, j'étais plus... Eh, franchement, j'étais du tout... J'étais entre des lames. Mais j'ai esquivé! C'est bon quoi. Ok. Au moins c'est fait peut-être un peu tôt. J'ai à peine le temps, c'est horrible. Je crois que je l'ai fait trop tôt. Je l'ai peut-être fait trop tôt. C'est possible ou pas? Ok. Ok, ok. Merci pour l'info. J'apprends. Oh, j'ai ses jambières à lui. Vous avez vu, j'ai les mêmes jambières que celui qu'on a vu dans la... dans l'intro. Enfin, dans la... dans le... écran de chargement. Ce map est littéralement... Attends... Quand tu fights ce map, t'as littéralement un dieu qui disparaît entre les omoplates, c'est comme ça. C'est vrai, je m'en rends pas compte. T'as du mal quand on lui, on utilise souvent le pas du limier sur son arme pour esquiver plus facilement. Si c'est une... Ouais, mais le problème c'est que moi j'utilise une arme où je peux pas mettre de cendre. Là, il va courir. On voit la différence. Je suis obligée de faire ça. Non, j'ai... Faut que je me cache. J'ai réussi? Putain, mais non, mais je suis mort tout de suite. Je comprends pas. C'est ce moment où il fait ça? C'est censé faire quoi en fait? Parce que ça va pas le bloquer, ça va pas le stun. Du coup, c'est au moment où il fait une attaque en particulier, mais je sais pas. Je fais trop tôt encore. Ou alors faut que j'attende qu'il me l'ait. Qu'il m'ait attaqué. Et que j'ai déjà ma diction pour la dissiper avec l'objet. C'est peut-être ça, non?
Retire trop pour lancer trop merde rouge, mais dès le départ elle m'attaque tellement vite. Ok. Ah, il court pas là. Putain. Quand tu perds le focus du mob, c'est assez. Enfin, le focus. La cible, le ciblage en fait, surtout. Faut que je me heal maintenant. J'essaye. Putain, ça arrive pas. Un chat des humains, trop mignon comme ce deux. Merci beaucoup Irafly. Bienvenue à toi. Je comprends pas cette deuxième phase, je la comprends pas, elle me prend la tête de fou. J'en peux plus des mobs qui sont tellement rapides que juste tu peux pas cligner à des yeux. Coucou le raid, coucou à toutes et à tous. Qu'est-ce que tu dis de beau? Ah, c'est une autre attaque encore. Ok, ok. Pokémon et Mario Kart. Programme qui me sied particulièrement. T'as vu, il va y avoir le DLC de Mario Kart bientôt. Enfin, le season le pass, machin, bref, les nouvelles maps. Je vais mettre ça en premier. Ça répond pas, je sais pas pourquoi. T'as pris quel Pokémon? Elle boit du rouge. Non, c'était du coca. Non, j'aime pas le rouge. J'aimerais bien aimer. Bon, en fait, je dis j'aime pas, mais j'en ai tellement rarement goûté dans ma vie que ça se trouve, c'est dégueu. J'ai failli tomber, en fait, ça m'a déconcentré. J'attends qu'il finisse ça. Putain mais j'esquive putain là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait plein de fois. Waouh. J'ai l'impression qu'il y a une demi-seconde de retard là. Merde, j'avais oublié. Pause, je suis navrée, enfin ça marche pas, ça fait pas vraiment pause. Merci beaucoup UFC. Merci pour l'abonnement, c'est vraiment très gentil. Bah si c'est mérité, mais c'est gentil. Trop galère cette première phase pour rien quoi. Ne vous inquiétez pas, c'est là que c'est meilleur, si on savait. Merci beaucoup. Et du coup, salut à tous et à toutes à qui j'ai pas dit bonjour, salut Anto. Oh, death. C'est gentil. Become my blade once more. Et bienvenue. Et bonne nuit à ceux qui vont se coucher, des bisous. Tu dis bonne nuit, c'est ça? Oui. On dirait qu'il cherche à te tuer. T'as vu, ça dégoûte, hein? Alors, t'avais dit un truc pour la griffe? La lame de Mali.
Ah, la lame devient dorée. Merci beaucoup, ça va m'aider de ouf en vrai. Non, mais j'essaye de... Oh non. J'essaie de comprendre les attaques, mais elles sont trop balèzes pour que je le tue en une seconde. Je vais essayer juste de l'attaquer, pas d'essayer de connaître le pattern, juste de l'attaquer de manière instinctive, on verra. À l'épée probablement plus. Et voilà. Et dire ouais, je pensais pas, la première phase étant chiante mais pas compliquée. Même si bon, bah les secondes phases c'est souvent l'enfer. Je pensais pas que ce serait comme ça, aussi différent dans la manière d'attaquer. Je crois que c'est pas si différent en fait. Non, je savais, j'étais trop près du bord. En tournant autour du pilier. Ouais, mais il traverse les piliers, il fait toutes ses zones et du coup, je vois pas ses attaques. Le problème, c'est que beaucoup de mobs, c'est les attaques à distance qui traversent pas les piliers, mais les attaques au corps à corps traversent complètement les piliers. Quand il fait des zones, bah pareil. Et en plus, bah moi, étant derrière le pilier, je verrai pas l'attaque qu'il prépare. Même si là, je les connais pas encore. En fait, ce que je veux, c'est essayer de prendre de la distance avec, mais j'y arrive pas. Ouais, ouais, ce creux-là de début, c'est infernal. Enfin, je parle pas de mon modo. Hein. Déjà. J'ai envie de recommencer. J'ai trop mal commencé, j'ai envie de recommencer. Je vais laisser me tuer là. Ça ne m'allait pas. Bon, ça c'est infernal. Oui, bah t'as choisi un nom aussi, toi. T'as choisi un pseudo. Bon, pas plus bas. Oh, il y a toujours plus bas dans Elden Ring. Ah oui, avec Albatar au PK, oui, c'est vrai que... Les gens qui sortent Albatar. Et c'est ça, voilà. Quand on a choisi des pseudos un peu ambivalents... Pourquoi pas? Et ben c'est ambival à max quoi. Allez. Ah oui, je suis plus tendu. J'ai peur. Voilà. C'est bon, mais si. Le problème, c'est qu'il m'a mis d'autres là. Hein. Il m'a mis le dot en fait là, je l'ai déjà. C'est pas censé l'arrêter. Le truc, la lame là, elle sert à quoi en fait? Je comprends pas. Faut que je m'en renseigne sur cet artefact. Mais bon, moi, je lui avais au moins un peu fait des dégâts.
paralyse. Ah ouais, d'accord, donc ça aide pas du tout pour le dot. Mais comment je fais pour le dot? Puis j'ai pas le temps de me soigner en fait. Je vais je vais voir si je peux changer ma fiole. Pas du limier. Ah, c'est ça. Est-ce que j'ai ça? Ah non, mais c'est quoi? C'est une cendre de guerre, c'est ça, pas du limier. Ça a eu sa main. Pas du tout ça, pas du tout ça. Ah, la souris, ça m'énerve les clics 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 de ma manette. Alors, ignorer la consommation de PC pour le moment, ça m'intéresse pas. Ah ouais, c'est peut-être là-dedans en vrai que je peux avoir un truc. C'est une cendre, merde. Je sais pas ce que je pourrais mettre. Maloufa. Non, mon titre est toujours d'actualité, je suis toujours au même endroit. Je suis obligée de m'enchanter une âme avec un truc, une cendre de guerre. Pour pouvoir ne pas mourir sur ce boss. Mais c'est ultra relou quand même. J'avoue que ça me gonfle tellement, j'ai déjà... Surtout que je l'ai peut-être même pas en plus, faut que je trouve avant. J'aurais dû chercher ailleurs. Parce que là, c'est chiant, on entend tout. Je crois que je l'ai même pas en plus. Pas vif, assis. Ah, mais là j'en ai marre. Alors. Pas du limier. Pas vif, c'est ça que tu me disais. De guerre confère une arme affinité acérée. Compétence suivante. Page technique privilégiée des combattants. Prest et roublard. Vous effectuez un rapide pas de côté, tournant ainsi autour d'une cible verrouillée. Pas vif? C'est censé m'enlever le dot? Cherche quoi? Un truc qui me permet de ne plus avoir le dot. Essaie. Mais c'est bizarre. Tu es en train de me dire des trucs bizarres, toi. Hein, bon bah, je vais essayer. Les cendres de guerre, faut les mettre au feu, je sais plus. Je crois.
Vu que je suis mage et que j'ai jamais d'armes. Donc genre je prends cette dague. Ouais c'est ça. Calme-toi la musique. C'est où? Centre d'équerre, c'est là. Bon, je mets pas vif. Faut que je mette acéré. Sans main. Oh punaise. Merde. Faut que je mette sans peut-être? Ou acéré? N'importe. Ah ouais? Je vais mettre dague sanguine, ça j'aime bien. Comme l'orange. J'aime pas vraiment l'orange sanguine, mais bref. Ok, donc maintenant je vais dans mes équipements. Je vais changer celle-là, parce que de toute façon je peux emporter plein. Avec celle-là. On va voir. Hein. Et ça, c'est après qu'il m'a mis le dot, faut que je fasse ça. Punaise, il va falloir que je trouve le temps de faire ça, ça va être dur. En vrai. En vrai, ça va être compliqué. Après la bonne dague. Bah si. Si, si. La dague sanguine. Pourquoi tu esquives mieux? Non? Bah. C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est celle-là que je viens de... Si, si, c'est vraiment celle-là. Hein. C'est celle-là que je viens d'enchanter. J'en ai que deux d'enchanter de toute façon, parce que bah, les autres, elles le sont pas. Parce que, bah... Ah, celle-là qui l'est. C'est un autre truc. Pas vif, tu vois? Il y en a trois. Non mais celle-là, elle a pas vif. La lame que j'ai, elle a pas vif. Elle est là. Elle est là. Pas du chevalier limier. Mais ouais, mais pourquoi... Comment ça... Du limier. Pourquoi du limier? C'est juste de l'évitement. Peut-être avant le combat. Mais ça m'aidera pas du tout à ne plus avoir le dot, ça. Mais c'est pareil de rouler, non? Quelle est la différence? Tu peux enchaîner plus vite. Ok. D'accord, je vois ce que tu veux dire, ok. D'accord, d'accord, ok. Je crois que je vois. Putain, j'en peux plus de ce gouffre. Eh, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais vu que j'ai pas le réflexe, ça va être difficile, mais je vais essayer. Et ça te bouffe... j'ai pas vu, ça te bouffe de l'endurance ou pas? Vu que je suis pas en combat, je sais pas si je verrai. Ça bouffe des points de combat. Ok, ça j'avais pas vu. Et logique. On va voir ça. J'ai la tenue. Ah, merci. Enfin quelqu'un qui reconnaît. Merde. J'ai encore peur de tomber dans le gouffre. Qui reconnaît l'importance de, bah, de bien s'habiller quoi. Merde. Non mais vise-le, je t'en supplie en fait. Il est où le prochain pilier? Il est super loin. Il est là.
J'ai envie d'éternuer. Putain. J'arrive pas à le viser. Là, quand t'es trop proche, c'est mort. J'ai pas envie. C'est du Gucci? Ouais, je trouvais plus la marque. Ça dépend. Et tu vas plus... Ah non, mais je connais, t'inquiète pas. Là, c'est juste que j'ai mal commencé, mais... t'inquiète. C'est la P2 qui me pose problème, là, la P1. C'est juste qu'elle me gonfle, que j'en ai marre, et que j'aimerais direct passer en P2 pour un peu la comprendre. Non, ce n'est pas vif, il faut y rouler. Ouais, mais je veux garder mon épée s'il m'attaque au cac, en fait. C'est pour ça que j'utilise jamais pour cette phase. Merde, je suis tombé. Non mais c'est trop... En fait le problème c'est que c'est pas une esquive quoi. Là je me trouve super lente en fait. Ouais, et puis c'est pas une esquive. En fait c'est pas une esquive du coup. Du coup je vais me prendre en seconde phase. Quand il me tapera, même si j'utilise ça, vu que c'est pas considéré comme une esquive, j'ai l'impression, et ben en fait, je pourrais pas passer à travers les dommages, quoi. Je sais pas. Le chevalier était invincible 2 secondes. Ouais, ça pourra peut-être m'aider, ouais. Et pour garder ses distances. Ouais, mais le problème, c'est que, en fait, ça, j'y arrive même pas avec... avec le... Bon, là, je fais n'importe quoi, parce que je commence à... en avoir un peu marre de cette première phase. Mais le problème, c'est en seconde phase, en fait, il est quasiment déjà en train de me taper, à peine repop. Peu importe où je suis, il est très proche de moi à chaque fois. Attends, c'est un peu à me gonfler. Non, merde. J'avais pu la viser. Je me saoule. Prendre ça pour la phase d'après. Et merde, ça c'est l'attaque la plus chiante. Mais ça. Faut pas que j'essaye, hein. Faut pas que j'essaye, mais je. Je pense que j'arriverai pas à garder. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour cette phase de merde. T'as pas comme à t'azur? Alors si, tu veux voir le temps de cast? Rien que pour la première phase, c'est trop long. Ah si, je l'ai. Le truc, c'est que Comet Azure, ça ne suit pas. Donc, à peine il bouge, bah ça continue comme ça. Et que le temps de charger le cast, il m'a tué 5 fois. Enfin, le temps de caster, quoi. Si, mais j'ai essayé même rien que la première phase, là, le temps où il arrive sur ma gueule, j'ai à peine le temps de caster. Merde, comme d'hab. Je
pourrais la caler. Ce serait même plus facile de la caler sur une Malenia, presque. Malenia. J'ai rêvé. Gigi, mais c'est pas la peine, hein. Ça fait genre 15 fois que je tombe dans le creux, c'est vraiment pas la peine. Nutella. Je préférerais qu'il s'appelle Nutella, je retiendrai plus facilement. Non, c'est vrai, Malenia, j'ai réussi à la viser un petit peu, mais avec lui, c'est pas possible. Donc j'avance. Allez, cours direct. Invoque pas. Non, ça manque pas. Là, ça passe à travers. Ça rend ouf. Putain, mais j'ai perdu l'aggro. Pas l'aggro, je n'ai pas réussi à cibler. Il m'a mis un coup à la fin, ça dégoûte. Je garde exprès cette protection pour la seconde phase et j'arrive jamais à la garder parce qu'il me donne des coups. Ça fait trop mal ça. Je suis morte. C'est trop dur. Non, je commence à m'arracher les cheveux. Ouais, effectivement. Là, je ne sais pas. Il m'enchaîne tellement, il s'arrête juste absolument pas. C'est trop dur. J'ai plus de mana, oui c'est vrai. Je savais en plus que j'avais plus de mana à ce moment-là. Merde! J'aimerais bien ne pas perdre de vie sur cette phase, mais en même temps il me one shot, l'autre j'ai même pas le temps de me heal, donc on voit qu'est-ce qu'on s'en fout de perdre de la vie sur cette phase. Super. Tu veux bien le viser un jour, s'il te plaît? Merci. Ça me saoule.
mais je regarderai les plus tard. Alba. Voilà. Je suis au bord de la salle pourtant, hein. C'est ouf comment j'arrive pas à avoir du recul, quoi. Un sup. Ah là 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 là. Les façons plus agréables de se faire enchaîner, mais oui. Bon, le jeu est triche, mais grave. Bâtard ce jeu, quoi. Je parle pas pour toi, Albatark PK. Regardez s'il n'y a pas d'autres centres de guerre qui pourraient peut-être m'aider, en fait. Maintenant que ça... Je me rends compte que ça peut être une aide. Éventuellement, peut-être. C'est pas dans sort, c'est en ruine machin. Hein. Pas du tout. En centre de guerre. Imaginons, tiens. C'est pas comme ça qu'il faut chercher, en fait. Faut que je cherche déjà. J'y arrive, hein. Désolée, je... J'ai du mal à... J'en ai marre de prendre ma... Ma jambe se prend dans mon câble de mon truc. Ça m'énerve vraiment sincèrement. J'aurais pas été devant une caméra, j'aurais peut-être tapé un truc. Alors. Griffe du lion, compétence veillant, chevalier du lion rouge. Oui d'accord, vous bondissez avant et frappez l'ennemi. Augmente la puissance d'attaque de et vos chances de briser la posture. Bondissez en l'air et retombez lourdement. Ça peut peut-être me servir d'esquive, mais je pense pas. Convertis vos attaques puissantes en charge vers l'avant. Cri du troll. Choc repoussant les ennemis proches. Enchaînez avec une attaque puissante pour abattre votre arme. Quoi ? Abattre une arme ? Abattre sur le sol ou quoi ? Ok. Dégainer. Détermination. Vous levez votre arme dans votre usage pour clamer votre résolution renforçant votre prochaine attaque. Ok. Faites tournoyer votre arme. Technique de l'orateur. Vous bondissez vers l'avant en imprégnant votre arme. À l'aide d'une pierre d'éclat. Faire apparaître un vortex de lame noire. Stylé. Point sans souci, quoi ça? Quand j'ai vu, je me suis dit, je pourrais jamais, le machin bondit dans tous les sens, t'as juste le temps de rien voir. Et tu l'as finalement eu ou pas du tout? Si oui, comment? Bon bah je sais pas si j'en aurais... Malheureusement, je vois pas quelque chose qui pourrait m'aider. Il y a vraiment rien pour enlever le dot qu'elle me met là. Je sais même pas ce que c'est comme dot. La démence. Attends, mais t'inquiète pas, au pire, si je vais mourir bientôt, on sera vite de retour au, au respawn. T'inquiète pas. P2, quasi full life, full mana. Ouais, d'accord.
Mais comment t'as fait la P2? Parce que bon, être full life ou mana... Disons que moi, ça m'aide pas tout à fait, quoi. Pas du limier. Oui, c'est celle que j'ai déjà, apparemment. Ça s'appelle pas vif, non? Parce que j'ai pas du limier, j'ai pas trouvé, en tout cas. Mais si c'est un truc qui permet d'esquiver, bon... Fou, quoi. Je sais pas, on m'a dit pas vif ou pas du chevalier ligné. Alors moi je ne sais plus moi. Je me casse. J'ai fait trop d'eau. Tu m'as écrit plus tard à la sortie du château de l'Aisne, mais je sais même pas ce que c'est le château de l'Aisne, merde. Et ça fait quoi? Ça fait quoi pas du chevalier ligné par rapport à pas vif? T'avais vu ce message de tout à l'heure, j'ai sans cesse des bienvenus sur le chat. Bah c'est que t'es déco souvent, je pense. Moi ça m'arrive, c'est que il te déconnecte et te reconnecte du chat un peu tout le temps. J'esquive juste un pas sur le côté. Dans son dos ou pas vraiment. Pas du chevalier limé et l'arche supérieure. T'es invincible quelques secondes. Donc il peut pas t'avoir. Quand on esquive et tu vas ultra vite. Ah ouais. Mais merde, sérieux, il passe à travers le truc, quoi. Très rapide, ok. Épée fine de noble, c'est efficace. Bah en fait sur n'importe quelle épée c'est efficace non? On s'en fout du support, on fait l'esquive pareil non? Rassurez-moi. Ça, je veux plus Elden Ring. Maintenant, pour chaque boss, il faut que je change tout mon stuff. Parce qu'il n'y a qu'une façon de débattre. C'est chiant.
Pas de chevalier éliminé. Épée finable, meilleure épée foi du jeu. Ouais, mais je m'en fous, je joue pas la foi. Je veux pas jouer la foi. Je veux jouer mana, même si le. Enfin, magie, même si le jeu passe son temps à me dire que c'est pas une bonne idée. Même si le jeu me déteste. Même si le jeu déteste les mages. Mais ce que je veux dire, c'est bon, après, voilà. On a, j'aurai des skis, peu importe. Tour de laine, c'est tout honneur. Hein. Quelle idée. Oh. Alors, il le met où? Au niveau d'un. Pas loin d'un pont. On va regarder ça. Genre là. Oh, mais. Il y a un TP ici que j'ai pas. À peu près ici. Merde. Ah oui, non. Il y a un TP ici que j'ai pas. Ici. Je suis jamais allé en fait, je crois. Apparemment c'est là. C'est ça? T'as plein de sorts plus puissants que la telle. Oui, bah quand j'ai commencé. En fait, je découvre le jeu et je découvre. Comme plein de gens quand j'ai commencé. Et j'ai découvert mage et je me suis dit, ah bah c'est sympa, c'est bien mage. Du coup, j'ai monté mage. Je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était beaucoup plus dur que pour les autres gens. Mais j'aime bien les gameplay mage. Et je considère que le jeu il devrait être faisable en mage. Mais il y a plus un courant Rome depuis où? Parce que ça c'est en bas ça. Ça je peux pas aller parce que ça c'est une falaise. En chevache ouais, faut que j'aille là en fait. Ou peut-être là. Non là ça semble un peu plus proche. On va voir, on va aller à pied. Ah merde, je suis en bas. Je suis pas en hauteur. Ça fait bizarre d'être dans le jeu normal. Ça fait depuis tellement longtemps que je fais que des boss. Quasiment. Et des sortes de grands donjons. C'est vrai qu'il y a aussi des endroits ouverts et tout. Oh, l'aile astrale, tu as kiffé. Qu'est-ce que c'est l'aile astrale? C'est de la foi encore? Une sieste, tu as sieste comme un petit vieux. Bah en fait on est la nuit donc tu peux tout simplement aller dormir et faire ce qu'on appelle une nuit de sommeil et du coup c'est pas con. Des bisous Alba, très bonne nuit. Je crois que c'est cette tour là. En tout cas il y a un TP dans le coin il me semble. Ouais, je suis censé avoir un TP, mais je sais pas où. Un TP, qu'est-ce que je dis hein? Un truc, quoi. Vous comprenez? Il y a une énigme à faire, je l'ai pas faite. Quoi? Ah, voilà. Épée courbée légendaire. Mais je suis mage, en fait. Moi, il faut que je joue. Je veux dire, le fait que ce soit une épée légendaire et tout ça, super hein, mais si tu me dis que c'est pas ça utilise pas la magie d'un tel, et ben je vais pas l'utiliser puisque je veux jouer un tel en fait. Après si j'en fais une partie je ferai un autre build évidemment parce que j'ai bien compris que le jeu déteste les gens qui font de l'intel, mais là j'y vais aller jusque là avec un build d'un tel. Je veux finir le jeu avec mon build d'un tel parce que j'aime bien. Et que ça m'embête d'être obligé de me plier à un build que j'aime moins. En tout cas que j'ai pas envie d'expérimenter maintenant. Tout ça parce que le jeu en fait il peut être fait qu'avec un seul build, bordel. Ça me saoule ça. Je veux faire un tel. Voilà. Bon. Alors attendez, on fera ça peut-être tantôt. Je vais mettre un petit point ici s'il y a une énigme, on la fera un de ces quatre. Pas maintenant. Je vais mettre ça.
On est Link. Et ensuite, il faut que je prenne... Ah, faut que j'aille au pont. Bah, let's go. Elle fait de la fumée violette, elle explose. Explose. Ok, je connais pas. Enfin, je crois que je connais pas. Ah non. C'est qu'il y avait un loot, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les piafs m'ont fait penser à des loots. Aucune raison valable. J'avais pas prévu ça, hein. Faites chier, hein. J'aime pas mon caméra, fait chier. J'aurais pu lui mettre un caméra immense dans la gueule. Ok, ça le touche pas. Ça me saoule, je sais même pas si je lui fais mal avec ma magie ou pas. J'arrive pas à le toucher. Il est juste à 514 km. J'arrive pas. Il veut pas faire. Il veut pas faire son coup spécial mon perso. Il tapait dans le vide. Tu vas sauter comme un mouton. Je dirais plutôt comme une chèvre. Parce qu'il y a des cornes comme une chèvre. Y'a rien qui est facile, hein. Même obtenir une putain de cendre de guerre, faut que je me tape un dragon, quoi. Cheval. Trop mignon. En plus, c'est une monture trop mignonne. Ils ont juste rajouté deux cornes à une vache. À une chèvre. À une... Un cheval. Et je trouve ça très mignon. Merde. Oh, j'ai pas pris mon caméraméa, je suis nulle. Je reprends mon caméraméa. Alors après, je suis pas à distance, bon, on va voir. Je sais plus à quoi ressemble, c'est quoi déjà? C'est ça. De faire mon truc des PC quand même. Ok. Let's go. Les blancs, c'est à quatre pattes. Ah, les chèvres et les vaches, c'est pas forcément blanc. Ça mange de l'herbe. Anatomiquement, il y a une différence. Au niveau du goût du lait aussi. Après, moi, j'aime pas le lait.
Non, mais de la vie. Il recommence. Bon, je m'en vais, ça me saoule. Mais un sup ? Je sais pas comment esquiver ça, à chaque fois je galère. Et voilà. Et reparti sur du feu, encore. Tu veux autre chose aussi ? Parce que t'es un dragon, t'es obligé de faire que ça, quoi, genre. Super, maintenant j'ai des... Oh, j'ai des runes à perdre, fais chier. Alors. C'était le mauvais pont. C'est ce pont-là où je devais aller. J'ai envie d'y aller. Ok. Bah c'est fait. Juste que bon, bah je voulais pas du tout le faire maintenant, ça m'a rangé genre zéro. C'est pas grave. Ah, mais c'est peut-être ça la tour. Non, c'est Tertre des Gréoles, machin. Peut-être ça en vrai la tour, non? Mais elle était là, la tour de laine. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Si, je suis un peu teubé. Bon. Pas d'indice, rien. On trouve des animaux. Non, mais je voulais pas cet aparté, maintenant. J'ai pas envie de faire ça. Je vais rechercher des trucs. Il y a même pas d'indice sur l'énigme. Juste une énigme. Juste, il y a une porte fermée, c'est ça et c'est tout. Et bisous et bye bye. On va faire un tour. On va peut-être trouver un indice. Ou une bestiole immense et transparente à buter gratuitement. Faut que ce soit la nuit aussi. Pourquoi faut que ce soit la nuit? Mais ça comment vous le savez? Oh désolé, je voulais pas. Vraiment, j'avais pas envie en plus. Désolé. Ça se fait trop pas ce que j'ai fait. Comment vous savez ça, qu'il faut que ce soit la nuit? Je vais du crépuscule, mais pas que la nuit. Ah mais il faut que je tue un chevalier du crépuscule, mais j'ai jamais y arrivé. C'est trop dur. C'est ça, les chevaliers du crépuscule. Moi, ils ont tous des noms tellement proches que je savais pas que c'était ça. T'as battu plus dur, oui, en 1000 ans de try. Mais là, je suis déjà à 1000 ans de try sur un autre truc. C'est lui? C'est ça? Oh. C'est ça, chevalier crépuscule?
Bon, j'avoue, en fait, celui-là est bas level. Alors, ça va. J'avoue, là, il est bas level. J'avoue. J'avoue, là, il est bas level. J'avoue, ça va. Ça va, ça va. Bon! On rentre à la maison, hein. Allez, c'est parti. Oui, surtout moi qui ai un haut level. Oui, 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 oui. Non, mais j'avoue, j'ai commencé à râler dans ma tête. C'est vrai. Ok. Alors. Bon, je mets ça sur une épée aux F, on s'en fout, on est d'accord, hein. Oui, mais c'est simple parce que je suis trop level par rapport à la zone, mais sinon ils sont trop durs. Je remets en spoiler sur le Didi. Bah je sais pas, c'est Moglobin Dark. Je crois qu'il faut que tu mettes une petite commande avant. Genre slash machin machin, et ça te mettra spoiler. Mais je sais pas comment ils font les gens qui font ça. Qui mettent le spoiler, attention spoiler dans Discord. Je sais pas du tout. Faut que tu vois, je prends la liste des... et des commandes possibles à faire sur Discord. Bah ouais, moi je peux pas mettre de centre de guerre sur mes épées, aucune de mes épées magiques, je peux pas. Mais les cendres de guerre, une fois que... Alors, vu que j'en utilise pas parce qu'à chaque fois moi j'ai des trucs de magie, les cendres de guerre, si je mets ça sur une épée, ma cendre de guerre, elle est disparue à jamais? Ou genre, je peux remettre sur d'autres épées? Genre, est-ce que là, il me reste... Est-ce que pas vif? Ah ouais, je l'ai pas vif. Ok, bah c'est bon alors. Oui, puis ça suffit en fait, j'avais pas besoin de mettre cette petite lumière, je sais pas pourquoi j'ai mise. Ah oui, mais je l'avais mise parce qu'au début du live j'étais pas en fond vert, c'est pour ça. Mince, je me suis tombée. Ok. Et ça rend invincible pendant genre 2 secondes, c'est ça? Ok. Et bah, je vais arrêter la VOD là et nous verrons si ça marche. À la prochaine VOD, des bisous!